Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer quelques images que j'ai retrouvées par hasard en fouillant la centaine de milliers de diapos et de négatifs que j'ai encore. Nous étions en 1973. Je revenais du Vietnam et comme moi, je suis un passionné d'aéronautique et d'espace, je me suis fait accréditer au Salon du Bourget qui réunit, comme vous le savez, les plus beaux avions et les plus belles fusées à ce moment-là de notre époque. Nous sommes le 3 juin 1973. Alors la vedette de ce salon depuis quelques années, c'est le Concorde. Mais attention, juste derrière, un nouvel avion supersonique qui ressemble à s'y méprendre au Concorde, le Tupolev 144. On peut dire même que le Tupolev 144 était le clone du Concorde, puisque, on l'a su après, c'est un ingénieur français qui avait donné les plans du Concorde aux Soviétiques. Alors ce sont tous deux des avions dits de production, c'est-à-dire que à l'intérieur, il y a sièges, etc., etc. Mais ils en sont toujours à être des prototypes. Aucun n'est encore sur une compagnie aérienne. Après le Concorde, le Tupolev décolle. À 15h31, d'un seul coup, l'appareil pique du nez, se casse en deux au-dessus d'une zone habitée. C'est la zone de Goussainville. Je me précipite là-bas. Voilà ce que j'ai vu. Thank you.
Le bilan est lourd. En plus des 6 membres d'équipage, 8 habitants de Goussainville sont tués. Alors les Soviétiques, après avoir perdu la course à la Lune, ont perdu aussi celui du transport aérien supersonique. Le Tupolev 144 fut très vite abandonné par la seule compagnie aérienne qui l'avait prise, évidemment l'Aéroflotte. Eh bien, j'espère que ce petit récit, malgré le manque d'images, vous a plu. À bientôt sur ma chaîne. Au revoir.